Bah moi c'est le combat contre la reine à l'académie que j'ai trouvé pas intéressant. Mais je l'ai fait à trop haut niveau. Esprit ancestral royal. Oleg! On va se venger un peu sur cet animal. Qui doit être 10 fois plus fort que celui qu'on a affronté la dernière fois. Il a le même pattern? D'accord. Je me souviens plus trop comment, attends. Comment on l'avait vu? Contre, il tape très très fort, hein, c'est un vrai tank. Bon, ça va, il a... ça va. Encore, je crois que la dernière fois, on avait dit pareil de lui. Je crois qu'on avait dit que c'était équilibré parce que... Qu'est-ce qui s'est passé? Il peut se TP? Atem Leric, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte, tu peux. Il peut se TP, c'est ouf. D'accord, ok, ben vas-y, hein, je bloque avec mon bouclier, mais ça sert à rien. Attention Oleg, ça fait mal, ça marche pas dedans. Et lui, il y va à pieds joints, hein, il s'en bat les couilles. Il est tellement fin que tes couilles passent à côté, tu sais. Eh mais comment il s'est soigné? Il a fait une attaque tout à l'heure, c'était ça? Il s'est soigné en nous blessant? Et comme il nous a blessés tous les deux, il s'est soigné comme un malade? C'est quoi cette merde? Bon. En fait, c'est... C'est pas tant galère dans le sens... Attends, là, il va se soigner encore. Non? Non. C'est pas galère dans le sens galère-galère. Ok, il lui reste un PV. Littéralement. Et voilà. J'ai Taste the Booyah! First try. Esprit ancestral royal. Cool. C'est pas forcément dur à proprement parler. Qu'est-ce que c'est ? Ouais, avec des esprits animaux. Okay. C'est pas nécessairement dur à proprement parler, mais ce qui est dur, c'est qu'il tape comme un tank, en fait. C'est juste ça. Il fait des dégâts absurdes. Comment il a fait ? Comment vous... Il y en a qui ont compris pourquoi il s'est heal ? J'ai pas compris. Merci pour les GG. Merci beaucoup. Comment ça se fait qu'il s'est heal? Alors, qui a cru en moi dans les prédictions, là? Ouais, je sais même pas comment on sort d'ici. Il doit y avoir un chemin quelque part, je crois. Par où tu sors, putain? Oh là là. Attendez, 10k contre prochain... Le boss ou ravi. Oh bah merci d'avoir cru en moi les gars. Eh merci beaucoup d'avoir cru en moi. Hein. Oh là là, tu le sens, tu la sens l'ironie. Il s'est cabré, il y a eu de la lumière, la vie est remontée. Ah d'accord, en fait c'est juste un script, d'accord. Bon bah y a rien de plus à faire ici. Hein. Cool. Comment on sort? Ça, j'adore ce combat de boss, putain. Tu sais même pas comment sortir de là. Mais elle est où la sortie, bordel de merde? Au secours! Je suis bloqué! Putain, mais elle est où la sortie? Allez! Putain! Où est la sortie? La zone est immense, là! Fais pas chier! Fais pas chier, le jeu.
Ah, il absorbe la vie des animaux. Ah, pour se régène, d'accord. Je pensais qu'il avait absorbé ma vie. Et celle d'Oleg. Oleg qui s'est pas trop mal battu, hein, pas trop mal défendu, le petit Oleg. Bon, bah voilà. Putain, mais tu sors comment d'ici? Attends, normalement, si tu vas tout droit là, tu devrais avoir un point de téléportation. Théoriquement. Parce qu'il y en avait un, la dernière fois, j'avais exploré tout ici, et dans Siofra, là. Et il y avait un point de téléportation tout au bout. Ah bah là. Il est là, le point de téléportation. En plein milieu. Voilà. Non mais c'est juste que la zone est immense. Absurdément immense. Et bah voilà. Trop cool. Du coup, ça veut dire qu'on a fini le bout de zone. Et que maintenant, pour continuer, il faudrait qu'on aille... en gros, là-bas. À la crête de la grande cascade, c'est ça? Nokron, on a fini? J'ai fini Nokron, putain, c'est classe. On a fini Nokron. La seule chose qui nous resterait à faire, ce serait de battre le loup, mais j'y arrive pas. Donc on reviendra plus tard. Pourquoi là j'avais mis un truc? C'était un raccourci pour quelque chose. Ok. Et ben allez. Et ben on a fait Nokron. Maintenant on va aller du côté de là. On va aller par là. On va essayer de choper la carte. On va aller du côté de la zone magmatique. Si on peut appeler ça comme ça. Mais d'abord il faut sortir d'ici. Où est la sortie? Est-ce que je peux sortir d'ici? C'est la sortie? Ouais, c'est la sortie. Bonjour! Au revoir, monsieur! Ok. On va se mettre un petit marqueur là. Ok, la carte est là-bas. Ils reviennent pas à la vie, eux. Non, c'est pas des squelettes, c'est juste des... Ah, eux, c'est... Je crois ils absorbent tes PC, enfin, ton mana. Ok. Pierre volcanique. La carte est apparemment quelque part par là-bas. Ah, on a trouvé le trésor de Rani, du coup on peut aller lui donner. Oui, c'est vrai, remarque. On ira après. Je veux absolument trouver la carte de cette zone. Voir un petit peu ce qu'on a déjà exploré, pas exploré. Je voudrais voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Parce que là, c'est chiant d'explorer, mais de pas savoir... Ok, y a rien. C'est chiant d'explorer sans savoir, tu vois. Ok, rune dorée. Je me rapproche. Il y a encore du chemin à parcourir, les gars. Faut pas se mentir que là... On change un peu d'ambiance, hein. On était dans un donjon, machin, et là, maintenant... On est dehors, mais zone ouais, zone un petit peu dominée par des flammes. Ok. Vain Dieu les dégâts. Non, ça pardonne pas. Hein.
C'est par là. Il y a un truc qui perd de la vie là-bas, je sais pas ce que c'est. Allez hop. Parfait. J'espère, Raven, que tu passes un excellent moment devant un jeu si magnifique. Je viens de le platine et perso, j'ai vraiment adoré 20 sur 20. Mais oui, idéal, mais oui. On passe un super moment. Franchement, c'est que de l'éclate, là. Incroyable. On était dans un donjon trop bon juste avant. On n'a pas pu aller trop loin. Enfin, si, on est quand même allé assez loin. Mais on n'a pas pu aller encore plus loin parce que, ben... faut qu'on y retourne un peu plus tard. Les mobs sont beaucoup trop forts. Mais bon. Sinon, franchement, très bon jeu. Hein. Bon, je sais... Enfin, j'arrive même pas à me dire qu'il y a une fin à ce jeu, quoi. Tellement, à chaque fois qu'on explore, on trouve de nouvelles zones. C'est incroyable. Oula. Dis-moi pas que c'est là-haut. Dis-moi pas que c'est là-haut. Oh, sa mère. Ok. Ça va être délicat, ça. Non, reviens par là, petit. Ok, bah il a tué son pote, moi ça me va. Putain. Ok. Putain, mais on va arriver à la voir. Bah ouais, bah à force. Je me cale plus aux bons endroits. Yes! Booyah! Allez, bye bye, le chariot du bourreau. Atem Leric, bienvenue à toi sur le stream. Je découvre tes vidéos, tu as fini le tournoi. Quel tournoi? De quel tournoi tu parles? Ce char des enfers, oui, non, mais ce char est une horreur. Pierre volcanique. Ok, il y a un château, c'est cool. Mais je sais pas où est la carte là. Elle est censée être... Attends. Je comprends rien, la carte elle est censée être où là? Elle est tout... Oh! Oh! Et merde. Il y a un putain de château. Donc j'imagine que la carte est tout en haut. Non mais what the fuck, attends. Par où tu passes? En fait moi j'ai fait ça. Et j'aurais peut-être dû faire genre ça. Super. Bon bah continuons d'explorer hein, de toute façon. On va atterrir vers un petit donjon, il y aura un petit coffre et ça va être très bien. Et puis il y a peut-être un tremplin pour sauter, tu vois, on sait pas. On sait pas ça. À moins que tu parles du festival plutôt. Si tu parles du Radiant Festival, on l'a fait. On l'a fait. T'as compris pourquoi la carte va te prendre des plombes à trouver. Mais c'est dégueulasse de mettre la carte aussi loin. C'est dégueulasse. Oh, oh putain. Oh les ennemis, ils plaisantent pas ici. C'est trop bien, ils utilisent de la pyromancie, moi j'adore. Putain, par contre, j'aime un peu moins le fait qu'ils me défoncent la gueule, mais... Non mais... Putain de merde quoi, le pattern! Mais putain, mais meurs! Oh mais ils sont horribles. Horribles ces mobs.
The Radon Festival. Ah là là. C'était trop bien. C'était mon boss préféré pour l'instant. Radon, vraiment... Mon boss préféré. La zone est chaude. Allez, dégage. Hors de feu. La zone est très chaude, hein. C'est con qu'il n'y ait pas les tu sais, les mobs, là, les nanas de feu dans Dark Souls 2, là. Je sais plus leur nom en français, mais... Dans le moulin, là, t'as des nanas, tu sais, en petite tenue, là. Fruits. Ok. C'était les pyromanciennes de DS2, c'était très bien, ça. Oh, putain. Il y a un char. Attends, on va repartir par là-bas plutôt, hein. Moi j'aimais bien là. Il faut qu'on arrive à rentrer dans ce château. Ok. Il faut qu'on arrive à rentrer dedans. Parce que j'ai pas forcément envie de me taper les chariots de dehors. Surtout c'est pour mourir. Il y a peut-être un moyen de rentrer par là. Oui, apparemment. For Laid! C'est quoi ce truc? Ok. J'aime pas ça. Oh, évidemment, il se tourne vers moi. Qu'est-ce que c'est? Oh! Ah ouais! Ah ouais, mais il pète le feu celui-ci! Je peux pas le backstab, comme c'est étonnant. Ok. Oh, il est coincé. À l'assaut, il est coincé! Oh merde! Ah voilà! IA sur 20! Et franchement, l'IA de ce jeu, impeccable, hein, rien à redire. Allez, c'est le retour de Smog. Grand marteau de prélat! Putain, le. Oh la taille de ce machin! Attends, il est où ce con? Ça, Cugby, il va adorer ça. Waouh! 45 de force pour le porter. T'es mal à taille. On dirait presque que ça peut faire du saignement. Non, ça fait pas de passif. Waouh, ce machin! Waouh, mais on dirait que ça fait du saignement, regarde. C'est trop bizarre. Oh là là. Eh ben c'est grave stylé. Voilà. Le petit cheese, écoutez, un peu fier. On va voir si on peut rentrer maintenant là-dedans. Attends, il y a peut-être des trucs que j'ai pas vu dans les tentes. Non, rien du tout. Je suis pas sûr qu'il respawn, tu vois, ce mob, par exemple. Mais trop impressionnant en vrai, ça a pas l'air d'être trop difficile à le tuer et en même temps, je pense que lui il te met un coup, t'es au sol et tu peux compter jusqu'à 50, hein, tu vas pas te relever. Pas de mob. Manuel d'armurier, pas bien. Oh. Des chevaliers de je sais pas qui. Un coup c'est Godric, un coup c'est Raya Lucaria, moi je sais plus. Sombre crétin. Qui c'est qui parle? Jamais ils ne me trouveront. Hein? Qui parle?
C'est qui parle? Ah putain là, d'accord, ok. Trouvé. Talisman du scorpion de feu. Ah, c'est pour les dégâts de feu, c'est ça, c'est... Attends. Talisman scorpion. Augmente l'attaque de feu mais réduit la résistance aux dégâts. Je survivrai, j'en fais le serment. Bah oui, t'es mort. La preuve, t'es un esprit. Et je serai bientôt de retour au manoir du volcan. Manoir du volcan? Quel est ce manoir? Manoir du volcan? Là-bas? On va enlever le marqueur. Ça doit être le manoir du volcan, ça. Plutôt dit l'immense forteresse du volcan, mais ok. Bon, on n'a plus qu'à nettoyer la fin de la zone d'ici. Il n'y a rien l'air d'avoir de plus dans ce bout de zone. Je vais juste aller de l'autre côté. Parce que vous vous souvenez qu'on avait fait le tour. Et qu'il y avait encore des ennemis. Vers la carte de la zone. Il faut vraiment que j'aille voir cette carte. C'est l'objectif, c'est l'objectif. On va aller... Moi ça m'obsède de pas avoir la carte, vraiment. Tu peux pas te repérer, tu sais, t'es là. Bon bah on va aller par là. T'sais, tu sais pas s'il y a un relief, tu sais pas. C'est comme là, tu vois, on s'est fait avoir comme un con, mais... peuvent se tuer entre eux. Oh mais je suis derrière, attends. On peut encore avancer là. Comment trouver l'accès au manoir quoi? Bon, y en a, ils m'ont vu, ça y est. C'est le début des emmerdes ou pas? Tape entre eux, tu sais. Oh, mais vas-y! Putain mais... Ok, c'est bon. Oh! Très très bien. C'est dommage qu'on puisse pas monter dedans. Tu veux monter dans le char et après tirer sur tout le monde. C'est vrai que ça aurait été marrant. C'est vrai que ça aurait été... Ah, ça aurait été assez fun. Bonjour. What? 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 Oh mais ces mobs, mais c'est quoi ces attaques? Ok. C'est quoi ces attaques de fou? Oh, ils te font ces trucs?
Ah, attends, tu peux repartir par là. Oui, c'est de là d'où on vient. Je crois. Il doit y avoir le site de grâce juste à côté. Donc on va juste... Ok, super. Ces mobs. Allez, on les tue et... Putain, la portée! Ok, c'est bon. Je sais pas si on a tout vu, c'est énervant. Sans la carte, c'est énervant! Non, on peut encore avancer, on va avancer. Putain! C'est dégueulasse, putain! Oh là, bah oui! Bah oui, quoi de mieux? Quoi de mieux qu'une putain de... Quoi? Quoi? Oh merde! Ok, yes! Putain, je m'attendais à tout sauf à ça. Et j'ai pas assez pour invoquer Oleg. C'est le combienième qu'on a... Oh putain, mais il a de la vie par contre. Je vais pas faire le malin parce que... Parce que là, vraiment, il est très fort. Non mais c'est au moins le quatrième qu'on... Troisième ou quatrième qu'on fait. Mais par contre, il est très fort lui, c'est... Littéralement plus fort. Putain, mais même quand on lui met du... Ah si, le saignement, les amis, peut nous sauver, mais... Mais il... Non, il fait trop gros dégâts. Ah, yes. Ok, yes. Je vais voir, je vais invoquer Oleg, il va te régler ton compte. Salut Tony Souls. Ah, effigie de Marika, ça j'aime. Ça au moins on peut le refaire tout de suite. Enfin j'espère. J'espère, j'espère. Le mont Gelmir. Bah oui, je connais même pas le nom de la zone puisque j'ai pas la carte. Ouais, c'est juste à côté. On va invoquer Oleg et lui... Et lui coumer un peu sa mère. Oleg! À toi de jouer! Va pas dans le lac de lave, putain, Oleg! Reviens! Ok. On prend pas de dégâts là? Putain, c'est relativement hot! Oh, il me fait les pierres paternes. Tout à l'heure, il était tout gentil. Bon, bah, Oleg, ciao. Hein. Regarde ça, il fait que... Il fait la même attaque trois fois de suite. Voilà, bravo, Oleg. Putain, il a défoncé Oleg. J'ai pas d'endurance tellement je spam les attaques. Ah. Oh. Ça j'apprécie. Oleg il fait acte de présence, rien de plus.
ok. Oh non, je suis mort. C'est terminé. Ah non. Taste de Booyah, boss. Oleg, c'était l'acte de présence, quoi. Oh mon dieu. Cœur de dragon, allez, encore un. Un nouveau pouvoir est désormais disponible à la cathédrale de la communion draconique. Ben voilà. C'était pas dur. C'était juste exigeant. C'est pas un boss trop compliqué en soi, mais je trouvais que... on faisait pas beaucoup de dégâts. Ami droit devant. Bah non, en fait, on va se faire défoncer la gueule, regarde. Ouais. Ah, c'est pas comme les autres Souls. Je prends pas autant de dégâts que ce que j'aurais cru. Bon. Mais y'a quoi là-bas? Bon, attends, de toute façon, j'ai assez de fiole pour tenir le coup. Pourquoi j'utilise pas mon cheval? Putain, je suis un imbécile. Rune dorée. Voilà. Rune dorée. Voilà. Papillon flamboyant. Ouais, franchement, la lave, elle est easy hein, dans ce jeu. Hein? Bon champignon. Je peux pas le ramasser avec tous les messages, putain. Je ne peux pas ramasser le champignon. Il y a trop de messages. Ah, mais en fait, je peux vraiment pas le ramasser, d'accord. Lys de Miquella. D'accord. Non, franchement, la lave, easy, là. Ils ont peut-être pas voulu rendre l'expérience trop frustrante, je sais pas. Ok, d'accord. Encore des ennemis, encore plein de trucs. Brume en vue. De merde. Ok. On peut dire que vous savez mettre le feu. Ah, dommage. Ok. Il y a quoi d'autre là? Putain de rocher de merde. Tu veux l'avoir rapidement? Bah non, t'as le rocher. Ah, on récupère un peu des fioles quand même. Oh. Il faut qu'on retourne dans le... dans la lave, là. Il y avait un chemin qu'on pouvait emprunter. Faut qu'on y retourne. On récupère pas mal de runes encore ici. Allons par là-bas. Je peux pas récupérer de fioles de salut miraculeux, c'est terrible. Putain, y'a encore un truc de multijoueur, mais bordel de merde! Y'a pas de site de grâce, y'a rien. Je sais pas trop qu'est-ce qui peut détruire ça. Le gobelin, ça paraît très étrange. Hein. Vas-y, frappe. Ouais, tu vois, le gobelin, il peut pas. Il faut que je ramène un mob ici qui puisse détruire ça. Quel genre de mob serait capable de... d'une telle prouesse? Un géant, sûrement. C'est quoi ça? Ah ouais,
Ouais, ça, ça pourrait aider, ça. Yes, trop bien, on va crever comme une grosse merde. J'ai vraiment cru qu'il était tombé. Pierre de forge. Putain de rocher de merde. Mais putain, me barre-toi. Un Uber ours de merde. On retourne dans la lave. Oh, y a rien. Oh, le dégoût. On va y retourner, les gars. Juste, je voudrais dépenser mes runes, en fait. Où est le site de grâce, putain? Puis il est à 15 km, putain. Oh, attends, il y a un truc, là. Arteria, pas mal. Ça. Je suis plus à cause de cerne. Mais... Ah, il est là. Enfin, le site de grâce. Oh mon dieu! Encore un peu de vie. Il faudrait qu'on monte l'endurance après. La vie, j'ai envie de la monter à 34 par contre. Bon bah. On se retente l'ours? On se retente petit ours brun là? Plutôt papa ours vénère. Mais... On va se le retenter. Ils se brûlent entre eux, ça me fait rêver. Ok. C'est par là. J'ai un passif avec les ours, les gars, c'est pas fou. Hein. J'ai un peu peur que ce soit délicat. Hein. Voilà. Un peu peur qu'affronter cet ours soit compliqué. Yes, trop bien, il me donne une corde. Tu lootes quoi, toi, un tabouret? Bon, donne-moi un peu de vie. Je redoute tellement cet ours. C'est surtout que t'as l'ours et t'as tous les gobelins derrière. Bon, au moins on a récupéré l'item ici, on aura plus besoin de se faire chier, essayer de le récupérer. Merci, je me fais chier à... Putain, je me fais chier à essayer de récupérer de la vie pour pas cramer de potions, mais... Je peux pas utiliser Oleg ici en plus. Putain de merde. Ok l'ours. Oh, il bouge pas? Oh, je peux peut-être l'avoir. Ouais, je peux l'avoir comme ça. Et allez, qui sait que je fais pas de dégâts? Évidemment, le feu ne l'affecte pas. Ah, il peut les tuer quand même. Donc eux ne peuvent pas l'affaiblir, mais lui ici. Super, j'adore, moi j'adore, hein, m'en prendre plein la gueule. Putain, c'est vraiment une passion, hein, de s'en prendre plein la gueule comme ça. Le saignement pour proc, c'est quand tu veux. Moi, je suis pas pressé. Je suis pas le genre de mec très pressé. Allez, vas-y, casse-toi, l'ours.
Il va pas tomber, hein. Putain. Pas de victoire facile. Ah. Taste the Booyah, l'ours. Yeah. Alors les gars, on se sent plus faible? Et oui, sans votre ours, ça va être compliqué, hein. Bah, c'est cool, on va pouvoir avancer. Pas en direction de la carte, hein. Là on est en train d'explorer je sais pas quel endroit. Ouais. Pas d'entrée. Tu me diras, peut-être avec mon cheval on peut sauter et rentrer dans la baraque. Non? En vrai. Non, on peut pas. Ah. Voilà. Rien ne nous arrête. Ok. Bah, y a d'autres baraques que j'ai pas explorées. Ah oui, d'accord. Coulée de magma. Un nouveau sort, visiblement. Mais j'imagine qu'il faut de la foi pour... putain, attends. Inventaire. J'imagine qu'il faut de la foi pour l'utiliser. 21 d'intelligence, 12 de foi. Projette un amas de lave qui explose après un certain temps. Pas mal. Ça fait genre un tapis de lave, et après ça explose, c'est ça? Bon, y a déjà bien assez de choses explorables, on va dire. On n'est pas une maison près, je pense. Ok, rune dorée. C'est quoi? Oh non, ah non. C'est bon, c'est un petit, les gars, c'est un petit. Tout va bien, tout va bien. C'était pas un gigantesque ours. C'était pas un Uber ours. Tout va bien. Ben lol. Et voilà, il me redonne mes fioles. Impeccable. Mais on va où? Je suis où? J'ai pas la carte, je sais pas où je suis ni où je vais, y'a pas de site de grâce. C'est d'une hérésie. Ah putain, un site de grâce. Oh pitié, oui quoi. Oh merde. Ah. Arbalète à poulie. Je suis pas fan des arbalètes. Tout sauf ton objectif. Ah, attendez. Je vais checker juste l'arbalète. Parce qu'elle a l'air stylée en fait. C'est sympa. Le design est marrant. Ok. Faut que je change les flèches par contre. Voilà. Avant d'oublier. Putain. Cette zone est tellement immense. Pas besoin de se reposer en soi, ça va, on est pas. Oh merde! C'est quoi cette connerie? C'est quoi cette merde? Y'en a partout! Mais... what the fuck? Il se cache parmi les animaux! Ok. Et... oh non! Ah!
putain de merde. Mais vas-y, mais roule-moi encore dessus, tu vas voir. Putain, mais comment tu vas déjà ce machin? Il a même pas de tête, quoi. Merci de ne pas me loquer. Putain. Vite, il me faut ça. Putain, mais non, il bouge dans tous les sens, c'est même pas possible. Mais putain! Taste the booyah! Ouh! Tu crois qu'il repop? Bonne vierge de fer, bordel. Bourgeon sacramentel. Un village détruit par les flammes alors qu'ils n'avaient rien demandé. Les pauvres villageois se sont fait complètement massacrer. Le village des ermites. Ce qui reste encore au moins une ermite en vie. Pas l'impression. Ouais, regarde ça. Ouais, la zone est infestée de gobelins. Oh my god, Zombie MV, merci beaucoup pour le resub. Merci énormément à toi. Wow. Merci beaucoup pour le quatrième mois. Ça fait bien plaisir. J'arrive pas à le toucher. Voilà. Ok. Et maintenant, une seule ermite en vie, quoi. Caboche causante, quelle beauté! What a beauty! Hey, sweetie! Mais vise! Oh oui, à distance, il peut rien me faire. Voilà. Bah alors, le magicien? Bah alors! Elios Doc, salut à toi! On dirait que tu es déchu, l'ami. Encore un de ces machins, putain. Éclat de lumière stellaire. Mais je suis au-dessus d'un... Non ? Rivière aux eaux inimes. Si, on est au-dessus, là. Je... Est-ce que c'est le chemin pour aller au manoir ? Que tu fais un si grand tour, ça me paraît, c'est étrange. Il y a encore des sites de eau grasse. Putain, il y a encore... Putain, un site de grasse juste derrière, c'est vraiment dégueulasse. Évidemment, hein, les petits mobs qui arrivent. Quoi ? Reine semi-humaine ? Quoi ? Un boss maintenant ? Non, je te dis ! Non ! Ouais, reste bien là où t'es. Hein. Et franchement, bouge pas. Hein. T'es au meilleur endroit. Hein. Ça, ça lui fait rien. Ouais, bouge pas, hein. Vas-y, vas-y, bouge pas, hein. J'avoue, ma guidée Simpson, putain.
combien de mages? Ah, voilà ce que j'attendais, une occasion. Super, merci. Hein. Mais putain, et en plus ils ont 15 tonnes de vie là, c'est des mages. Ils sont où ces mages? Bon. Il est tout seul. Ouais, bon, il est quand même costaud. Hein. Ah, il saigne. Oh, c'était pas dur, ça va, first try. Mémolite. C'était pas forcément très dur. Juste un peu. Il fallait être un peu tactique hein, là-dedans. Attends, je crois pas qu'on soit allé par là en plus. C'est des mobs encore. Oh, putain, mais c'est un de ces trucs en plus. Putain, mais merde quoi. Mais foutez-moi la paix. Voilà, comme ça au moins l'exploration est faite de cette zone. Ouais, la difficulté c'était les mages, surtout qu'ils sont 3 quoi. Merci pour les GG. Bast, salut à toi. Bienvenue sur le stream. Tu joues quoi comme classe? Katana noob, classique. J'ai pris la classe de samouraï et j'ai chopé un nouveau katana et puis voilà. Petit esprit Oleg. Et un petit peu de magie pour la poudre de perlimpinpin. Et voilà. Ok. Il y avait pas un site de grâce là? Ah là-bas. Il y a rien au bout du truc. Ok, ok, on est à 50 000, c'est pas le moment de les perdre. Ah, y'a bien un truc. Oh! On pourrait même y descendre. Ou pas, parce que ça se trouve on y est déjà allé. Non, on n'y est pas allé. On va allumer le site de grâce et on va y aller. On va faire comme ça. C'est quoi ça? Comète d'azur. Ah. Bah ok. Merci. Ce PNJ est très bizarre. C'est un PNJ hein. C'est un PNJ les gars. C'est chelou. Allez, j'avais dit 34 la vigueur. Encore un niveau de vigueur et on pourra monter l'endu. Ouais. D'accord, je vois que j'ai pas d'autre chemin que celui-là. Visiblement, donc bah allons-y. Beaucoup
beaucoup de messages ici. Hein. Chercher objet. Attention feu. Il y a un petit donjon sympathique, on va aller le faire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit donjon. Je crois qu'on n'a pas fait de la soirée. Hein. À part si vous comptez Nokron comme un gros donjon. Oh, c'est quand même un donjon. Salut Yuseldris. Et speedrun all bosses de Elden Ring. Ouais, ça va être quelque chose. Hein. Ok. Tombe des héros de Gelmir. L'œil de bête se met à trembler. Ah. Intéressant. Non. On aurait pu y croire. On aurait pu y croire. Et là? Non plus. Et là? Non plus. Oh là là! Waouh! Eh, il fait pas un peu chaud par ici? Oh putain, c'est encore un de ces trucs de merde avec des pièges. Oh mais quelle saloperie! Tombé dans la lave, du coup il s'est forcément pris le dégât. Ah ouais, d'accord. Non, on va remonter d'un cran. Moi je peux pas. Okay. J'ai un mauvais souvenir de ce piège. Il est quand même beaucoup plus dur que celui qu'on avait fait. Ok, bah die. Il est beaucoup beaucoup plus dur que celui qu'on avait fait. T'as pas le temps. Et s'il va en haut, t'as le temps ou pas? Ouais, t'as plus le temps quand il va en haut. Ok. J'ai apparemment fait tous nos chromes. Ouais. Apparemment. On est arrivé à la zone d'après et j'ai dû rebrousser chemin. Oh, bon alors. Oh, oh l'enfoiré. Mais putain, il lui reste un bébé là. Voilà. Terrible. Muguet mortif. Putain. On peut tellement améliorer les esprits là. Sais combien il y a de boss dans le jeu. Beaucoup. Oh, tout le muguet mortifère qu'on chope là, c'est presque indécent. On sait même pas si ça c'est un bon chemin. Attention aux flammes. Ah évidemment il va pas dedans. Ok, pas besoin de monter dessus pour aller en hauteur, c'est bon.
Bon alors là il y a un piège. Je sais pas pourquoi je le savais. Je sais pas du tout où est le levier de ce donjon. Je... Putain, il est vraiment au plus profond. Hein. Faut descendre ou monter? Je sais même pas où tu dois aller. Salut Xewix, ça va super et toi? Oh non, mais vas-y, j'ai pas le temps d'y aller. C'est dégueulasse, j'ai pas le temps d'y aller. On va monter pour voir. Peut-être qu'il faut monter, je sais pas. De toute façon, s'il nous touche, c'est one shot, hein, on va pas rêver. Oh. Wow. Ok. On a trouvé une clé lame en pierre. Oh. What the fuck? Et je pars comment? Bah ouais, je pars comment moi? C'est dégueulasse. Je sais même pas par où tu dois aller. Putain. Oh là là là. Ce niveau de merde. Tu pars comment? Tu pars pas. La réponse évidente. Et la lave te ralentit. Ça, c'est quand même quelque chose. Ces donjons, putain de merde. Okay. Après, moi, j'aime bien, hein, franchement. Vas-y, frappe d'invulnérabilité, let's go.
Ah, tu peux pas aller plus loin parce qu'après c'est que de la lave. Donc quelque part on était sur le bon chemin. J'avais pas forcément fait gaffe, tu vois, qu'il y avait que de la lave après. Désolé, je récupère un peu de vie. Pardon. Bon bah y a plus qu'à récupérer 15 tonnes de vie maintenant. Lava is new marais. Mais c'est une bonne idée en vrai, c'est une très bonne idée. Hein. Oh là là. Voilà, on a récupéré pas mal de vie, on est pas mal. Merde. J'ai raté. J'ai raté le backstab. Ah, c'est pas grave. Un petit peu de muguet fantomatique, extraordinaire. Par là. Tout ça pour récupérer mes runes, hein, je rappelle. Tout ça pour récupérer mes runes de mort. Putain, mais ça c'est dégueulasse. Tu sais, je veux juste récupérer mes runes, mais comme elles sont prises au piège, concrètement. Bon, on va juste courir pour voir. Et si on meurt, tant pis. Ah oui, mais non, faut se retaper le piège. Faut se retaper le premier piège, putain! Moi je veux les récupérer mes runes, t'es sympa toi, attends. Ow. Pour sécurité, oui. C'est relatif à la sécurité. Regardez la sécurité les gars, j'ai une flèche plantée dans l'épaule. La sécurité, la sécurité. Je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. Ok. Ok, on va attendre qu'il remonte. Et ouais, on est au bout, donc c'est bon. C'est trop bien, n'empêche, ce piège. Hein. Ils ont une très très bonne idée, là. Je sais pas comment ils ont eu cette idée, hein, mais je trouve vraiment que c'est très très bon. C'est peut-être ce qui manquait à Bloodborne. Mais je crois d'ailleurs que Bloodborne, à la base, les donjons... Oh bah je vais crever. Les donjons Calice, à la base, étaient incrémentés dans le jeu de base. C'est-à-dire que, tu sais, tu te promenais dans Yharnam, et oh bah tiens, un donjon Calice, tu vois. Mais je sais pas pourquoi ça a jamais pu être fait. La ville où il y a les Minotaurs, tu parles de Nokron? Oh, c'était cool, j'ai bien aimé Nokron. Très sympa. Ah putain, les 34 runes noyées dans la lave. Ils sont horribles ces mecs.
Ouais, j'ai récupéré la cendre ultra cheatée. Pas encore améliorée. Ok. Comment ça se fait que j'ai mes runes là? What? Bizarre. Bah, nique ta mère. Ok. Mais tu fais quoi là? Ah, ce donjon. Il me saoule ce donjon, je comprends que de chi. Bonsoir Niops Game. Ouais, ça va et toi? On va attendre. Il est où le squelette? Ah, il est en plein milieu. Et bam! Tu vois, ça, j'adorerais savoir si on peut résister à ce piège. Genre, t'augmentes ta vie à 99, tu te mets des buffs, des machins. Est-ce que c'est possible de pas mourir? Je pense que le jeu fait exprès que tu meurs en one shot, tu vois. Il te donne un nombre de dégâts de fou. Ah, c'est fortement inspiré du chariot de DS2, tout à fait. On va mourir. Eh hey, non. Putain, quel shot. Ok, on va avancer. C'est bon, j'en ai plein le cul. Donjon de merde. Ok. Tout à l'heure il était bugué. Là c'est bon, on peut passer. Là je sens qu'il y a une chance, tu vois. Let's go. C'est maintenant. Et là on va où? Là. Ah. Ah. Mais c'est quoi cette zone des enfers? Lame de la menthe. Putain, j'ai eu une lame. C'est quoi?
L'âme de la menthe. Ah, c'est ça. DD. Épée courbée. Oh, DD. D'accord. Attends. Hop. Ah, on y voit mieux. Pas mal. Elle est pas mal du tout, hein. J'adore le design. J'adore le design. Par contre, elle est vraiment... Ouais, pas très grande, hein. Ok. Alors, attends, maintenant... Ah oui, et puis évidemment, hein, mes âmes, elles sont dans la lave. Enfin, mes runes, elles sont dans la lave. On va attendre qu'ils reviennent, je veux voir. Voilà. C'est... Mais c'est quoi ce donjon de fou? Go. C'est dégueulasse ce donjon, putain! Mais il est où? Oh, putain, il va si loin! Ouais, d'accord, ok. Mais comment? Mais non! Mais putain! Nique ta mère! Putain! Comment tu fais? Ouais, nique ta mère, tombe des héros, des morts là! Allez, ça dégage! Adieu, 32 cadrunes, hein. C'est bon. Oh, nique ta mère, là, ça, ça m'a énervé. Tu peux pas avancer, c'est quoi cette connerie? C'est quoi cette merde de donjon? Ah, tant pis, hein. Vraiment, tant pis. No regret. Quelle merde, ce donjon, mais vraiment, c'est pas faisable. Je préfère aller tuer des loups.